Aujourd'hui, on va parler d'un couteau d'une marque, la marque Shanzhou. Shanzhou est connue maintenant dans le monde de YouTube et Internet, puisque, entre autres, fans de couteaux en a parlé. C'est une marque qui est à l'origine, a été créée par un cuisinier qui trouvait énormément de difficultés à trouver des bons couteaux, de bons rapports qualité-prix. Ce qui était sa philosophie. Donc il a décidé de créer lui-même ses couteaux en apportant donc des produits de qualité faits avec des aciers généralement issus de la métallurgie des poudres et avec une qualité de fabrication et un intérêt économique assez conséquent. Donc, cette marque existait déjà depuis quelques temps, même pas mal de temps, et elle a décidé de se diversifier. Donc, elle a sorti un couteau un petit peu style bushcraft à la viking, comme il se faisait. D'ailleurs, c'est celui-ci qu'avait présenté Fan de Couteau. Et ils ont sorti un autre modèle, un modèle pliant, qui est leur premier modèle pliant, qui est le Pivolf. Donc, ce modèle est décliné en plusieurs coloris. Moi, j'ai le coloris noir et marron. On va retrouver ici donc une platine en G10 avec un design très original qui veut représenter en fait une plume de paon dans la forme de son dessin ici. Le couteau, lui, est vraiment un très beau élément, vraiment super, bien construit. On retrouve là-dedans les standards qui, moi, me plaisent dans les couteaux chinois. On va avoir une belle lame. Ici, on est sur un acier ZB905, qui est un acier qui vient de la métallurgie des poudres, qui est utilisé aussi pour les couteaux de cuisine. La dimension totale, on est sur 19,3 cm. La longueur de lame est de 8,3 cm et l'épaisseur est de 2,8 cm, ce qui en fait une belle lame. On a ici un beau shaping pour pouvoir bien le maintenir. Il y a ici donc une partie qui se maintient bien. La forme du manche est finalement bien faite et rentre tout à fait dans la courbure de la main. Vous pouvez l'utiliser en forçant sans aucun souci. Moi, c'est un couteau que j'utilise maintenant déjà depuis une semaine. Je l'ai amené avec moi en vacances. On a fait de la coupe de bois, on a fait des petites choses comme ça. Du petit travail du quotidien qu'on peut avoir dans une maison, hein. Voilà, découper des cartons, des ficelles, on a fait un peu d'électricité, enfin vraiment, c'est un couteau qui m'a suivi donc tout au long de cette semaine et qui a une bonne qualité au niveau du maintien de l'aiguisage. Donc c'est cet acier métallurgie là issu de la métallurgie des poudres est riche en carbone, donc ce qui permet de pouvoir l'aiguiser et l'entretenir facilement. La forme de la lame, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a quand même une belle dimension. Donc pour ceux qui veulent l'utiliser pour l'alimentaire, ça se fait sans aucun souci. Il y a quand même ici un trou, mais qui est assez conséquent, qui se nettoie assez facilement à l'eau. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Au niveau des systèmes de verrouillage, on est sur un classique liner lock avec ici un dégagement pour pouvoir accéder facilement avec le pouce. Vous voyez, il y a quand même eu une recherche pour faciliter au niveau du design. Donc, vous voyez, le pouce glisse très bien. Il n'y a aucun angle saillant. Tout est bien poncé, tout est bien travaillé. Les visseries, elles, sont tout à fait bien incorporées. On retrouve ici le petit logo de la marque, le S de Shanzhou. On a un clip ici dans les standards classiques, comme je vous disais,
chinois. Donc on a ici un clip profond qui a une bonne rétention, qui est en plus de, moi je trouve, d'un plus bel effet avec cette colorie par rapport à avoir un clip poche qui pourrait être couleur chrome sur un manche marron. Là, vous voyez, ils ont quand même fait l'effort de mettre quelque chose d'un petit peu plus en adéquation avec la couleur du couteau. Moi, je l'ai en version ici, donc lame classique satinée, voilà, qui résiste très bien aux rayures. Vous voyez, il n'y a pas de trace particulière, il n'y a rien du tout. Vraiment, c'est un bon petit élément. Au niveau des visseries, rien de spécifique, hein, tout est bien incorporé. On a bon, quelques petits points ici au niveau de la poche, mais ça ne gêne absolument pas dans le phénomène de rentrer ou de sortir le couteau dans la poche. Voilà, on a des petits ici, des petits intercalaires qui écartent donc les platines. Les platines ne sont pas ajourées. Alors le poids, je vous ai pas dit, on est à 114 grammes pour ce modèle-là. Et honnêtement, vu comme il est conçu et vu comme il est réparti, le poids est super bien équilibré, il n'y a aucun problème de ce côté-là. C'est vraiment un bel petit outil dans, comme je vous dis, dans les standards asiatiques que l'on peut trouver. Et pour vous dire, ils ont fait donc même, on est sur une gamme qui peut même s'amuser à jouer avec Sencut, avec CVV. Ils ont même mis donc la petite trousse qui va bien pour pouvoir bien sûr le ranger. On a un petit fascicule pour expliquer comment est fait leur couteau, une petite lingette, on a un petit sticker qu'on peut coller. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, quand ce genre de couteau arrive dans ce genre d'emballage-là, on comprend rapidement qu'ils veulent jouer dans la catégorie des grands. Et pour leur premier essai, moi je trouve que c'est plutôt bien fait. Alors certes, on va retrouver les standards que l'on peut trouver sur beaucoup de couteaux asiatiques. Mais celui-là a un petit plus quand même, c'est que, encore, c'est un modèle qui est très accessible en termes de prix. Je vous mettrai bien sûr les liens en bas en descriptif. Il y a aussi un petit code si jamais vous voulez passer par ce lien-là pour pouvoir bénéficier d'une réduction supplémentaire. À l'heure actuelle, en promotion, il est à 50,78 €, si je ne dis pas de bêtises. Vous avez plus encore les 8% par-dessus. Donc, ça fait quand même quelque chose d'assez intéressant pour pouvoir faire l'acquisition de ce produit. Au niveau des ouvertures, donc, on a deux systèmes d'ouverture. On a haut ici ce petit ergot de fin, cette sorte de hall comme un petit peu à la Spyderco qui fonctionne très très bien. Sans aucun souci. En termes de rotation et d'axe, ici, on est sur des roulements à billes en céramique. Et on a en plus, donc je ne vous avais pas dit, au niveau de l'acier, on est entre 58 et 60 HRC au niveau de la dureté de l'acier. Termes d'ouverture, on a aussi ici un système flipper. Moi, c'est celui que j'utilise le plus parce que il est vraiment. On ne peut pas se rater, quoi. Dans toutes les conditions que vous le faites, ça fonctionne très très bien de ce côté-là. Il n'y a aucun souci. Voilà une belle petite découverte pour un couteau qui est dans un tarif abordable, ce qui est le thème de la chaîne. On a de la qualité, une belle construction, des belles finitions. On retrouve les standards qui, moi, me plaisent sur ce genre de produit avec le clip profond, une platine en gélisse et puis une belle lame qui s'aiguise facilement, qui a une bonne rétention du fil et des ouvertures faciles ou en liner lock ou en, je veux dire, en flipper ou avec un ergot de pouce ou, enfin, là, c'est un hall qui permet de pouvoir accéder à l'ouverture de la lame. Tous les liens, tous les descriptifs seront en bas de la vidéo. Je voulais aussi remercier Shenzhou pour avoir m'envoyé ce couteau. Ce couteau m'a été envoyé par le site Shenzhou, mais je vous en parle en totale liberté. Il n'y a aucun souci, j'ai eu aucune contrainte particulière pour la présentation de ce produit-là. Vous avez ici donc une belle centrage de la lame. Voilà, vraiment tous les standards et la qualité y est dans cette marque-là et dans ce produit-là. Moi, je n'y ai pas trouvé de défaut particulier dans ce genre de produit-là. Et surtout pour le tarot pour lequel il est proposé, 50 € et quelques à l'heure actuelle, plus le petit lien qui vous donnera une réduction supplémentaire. Honnêtement, moi, je trouve que ça vaut le coup.
Voilà, je vous remercie pour le visionnage. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas. Il y a sur des vidéos futures qui vont arriver sur d'autres produits. On va retrouver bien sûr les retours des vidéos sur les EDC. Tout va reprendre son petit rythme tranquille. N'hésitez pas donc bien sûr à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et bien sûr à mettre un commentaire. Dites-moi ce que vous pensez, vous, de ce joli petit produit. Vous voyez, j'ai failli me tailler en le déplaçant. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit produit-là. Moi, dans cette couleur-là, dans cette robe-là marron, je l'ai trouvé vraiment génial. Et alors, je vous montre un truc. Regardez, hop, vous pliez. Voilà, et vous le laissez descendre. Voilà, ça descend tout seul. Voilà, ça, c'est vraiment, voyez, c'est vraiment agréable à utiliser. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et merci pour le visionnage.